<laughs> J'ai déjà un direct là. Oh. Bonjour euh, bonjour TikTok, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Je suis déjà en direct, euh, donc ça veut dire que ça passe déjà. Bonjour, euh, Franck. Aïe, bonjour. Je, je teste un peu le direct sur Facebook aujourd'hui parce que depuis le, le dernier direct sur Facebook, ils m'ont interdit de faire les directs. Je vais vous présenter même les preuves là tout à l'heure. Et vous savez pourquoi ils m'ont interdit de faire les directs sur Facebook Et eh bien, c'est parce qu'ils ont tellement signalé. Ils ont fait une masse de signalements. Les églisiens, là, signaler ma page, euh, euh, n'est-ce pas, en disant Oh, haine, harcèlement, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu, tatati, tatata. Ils disaient que, que j'aime menacer, j'aime menacer et harceler. Ils disaient, il semblerait que vous ayez menacé ou harcelé d'autres personnes. Donc, en réalité, au lieu que les gens. N'est-ce pas, s'associent, n'est-ce pas, forment des groupes pour essayer de voir comment changer leur propre vie. Ils s'associent, forment des groupes WhatsApp pour venir signaler les pages des personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. J'ai suivi une vidéo que Calibri a postée ce matin où il dit que l'homme noir, c'est que tu peux être là en train de faire ton business où tu gagnes 2-2000 par jour pour gérer ta vie. Quelqu'un pas dépenser 600 000 voix, même 1 million chez le marabout juste pour détruire ton business que tu gagnes 2 000 pages. Vous voyez un peu la mentalité de l'homme noir. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se mettre ensemble pour euh, créer des meilleures conditions de vie, pour réfléchir positivement. Mais quand il faut se mettre ensemble pour détruire, ils sont très forts. Toutes mes pages Facebook sont dans des gros problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé que nous ne devons plus parler. Euh, euh, C'est là. Hein? Eux, ils pensent que lorsqu'ils font, on ne voit pas. Quand ils font, on voit. Voilà. Une seule vidéo. Une seule vidéo. Plus de 200 signalements sur une seule vidéo. Plus de 200. Ils mettent intimidation et harcèlement, intimidation et harcèlement. La vidéo, que le direct que je faisais le 3 septembre. Donc c'est depuis le 3 septembre que je ne pouvais plus faire un autre live. D'ailleurs, vous étiez ceux qui étaient témoins sur Facebook. Vous avez vu qu'on a été brutalement coupé. Et c'est la même chose sur TikTok. Moi, je fais cette sortie, euh, n'est-ce pas, pour dire que ceux qui s'associent pour nous détruire, pour moi, sérieusement, euh, 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 non seulement ça me fait déjà d'abord plaisir, parce que nous savons que quand des gens font des réunions, s'associent pour nous détruire, cela signifie qu'on fait un travail. Ça veut dire qu'on travaille, ça veut dire qu'on inquiète les gens, ça veut dire qu'on fait peur. Donc pour moi, c'est pas trop un problème. Mon problème, et je l'ai toujours dit depuis des années ici sur les réseaux sociaux, et vous voyez où nous en sommes. C'est le manque de solidarité des personnes qui nous suivent, qui sont présentes, qui regardent, mais qui n'interagissent jamais, qui ne regardent pas. Ils apprécient très bien ce qu'on fait, mais ils n'interagissent jamais. Ils laissent nos détracteurs détruire nos pages. Et à la fin, qui gagnent, ce sont bien ces détracteurs parce que nous sommes muselés. Hum? On est obligé de payer des gens. Je suis obligé de payer des gens pour contrôler mes pages, pour contester les signalements. Hein? Je suis obligé de payer les gens pour contester les signalements, alors qu'il suffit seulement d'être interactif, c'est-à-dire que les gens qui suivent la page soient juste interactifs et ça contre les signalements. Parce que quand les gens signalent et que de l'autre côté vous envoyez beaucoup de cœur, l'algorithme ne va pas considérer les signalements. On vous a déjà dit ça fatigué, mais c'est comme si on vous supplie. Moi, je ne m'en prends pas à ceux qui s'associent pour détruire nos pages. Mais je reproche à ceux qui nous suivent de ne pas s'associer pour protéger nos pages. C'est tout. Parce que les signalements représentent autre 5% des personnes qui nous suivent. Autre 5%. Mais comment 5% peuvent dominer sur 95% hum Ce n'est pas normal que je reçoive 200 signalements sur une vidéo. Et qu'on bannisse ma page, ce n'est pas normal. Qu'on supprime, oui, ça, oui, Josiane. Bonjour, oui, 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 ils sont déjà encore en train de signaler. Je vois tout ça ici. J'ai d'autres trucs, je vois. Et les signalements, et les têtes de mort, et tout, et tout, et tout. Et c'est pareil sur TikTok. Mon compte TikTok aujourd'hui, euh, euh, n'est-ce pas, a des gros soucis parce que les gens signalent, même quand je ne fais pas de vidéos. Il signale, les gars s'organisent chaque jour juste pour signaler nos pages. Bon, je parle de moi personnellement. Même quand je ne fais pas de vidéos, même quand je ne fais sur TikTok, ça fait au moins une semaine et demie que je ne suis pas actif. Je ne poste presque pas, je reposte seulement des anciennes vidéos que j'avais déjà postées et tout ça. Malgré tout ça, tous les jours, TikTok m'envoie des, no... des, des notifications de restrictions de ma page parce que des gens se sont associés pour nous détruire, détruire nos pages. Et s'ils réussissent aujourd'hui, c'est bien parce que ceux qui nous suivent ne sont pas interactifs. Voilà le véritable problème. Tout ça, vous allez voir, tout ça, hein, c'est des signalements, hein, vous allez voir, regardez tout ça, les signalements, 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 signalement, tout ça, ce sont les, les notifications des signalements. Et mes pages n'ont jamais été aussi attaquées par les sardinats que par des églisiens. C'est-à-dire que les églisiens sont bien plus organisés que les sardinats pour détruire nos pages. Quand on avait notre combat ici avec les sardinards, mes pages n'étaient pas autant attaquées. Mais les églisiens, depuis qu'on a commencé à faire des reproches à leurs pasteurs, nos pages ont été complètement détruites. Est-ce qu'on va les laisser gagner? Quand vous remarquez, regardez bien quand je me mets en direct. Vous ne recevez pas de notification. Ma page Facebook, Max seigneur Officiel, est Shadowban. C'est-à-dire que la page a été classée par l'algorithme dans un secteur où aucun de mes followers ne reçoit des notifications. N'est-ce pas? Et pour contrer ça, c'est quelque chose de très simple. Il y a des vidéos sur YouTube partout où les gens expliquent comment les algorithmes Facebook. C'est des interactions positives. C'est tout ce qu'on vous demande. Juste liker, liker, mettre les cœurs, liker et même partager massivement. Ça contre les signalements. L'algorithme ne considère pas les têtes de mort et les signalements sur Facebook lorsque il y a un gap entre eux. Les réactions positives et les réactions négatives. Lorsque vous voyez là, ça ne peut pas monter. Hein. Je fais juste cette vidéo parce que ça va rester. Les gens vont voir en rediffusion. Cette audience ici ne peut pas monter. Je le sais parce que il n'y a pas moyen que ça monte. L'algorithme dès que je mets ça bloque. Déjà, depuis euh, le 3 septembre, je n'arrive même pas à lancer un direct sur, sur Facebook. Je lance sa coupe, je lance sa coupe. Ils me disent que je ne peux pas faire de direct. Je ne peux pas, je ne peux non plus inviter les gens à aimer la page et tout, 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 tout. Et, 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 pourquoi? Eh bien, parce que Facebook a supprimé, euh, n'est-ce pas, euh, mon dernier direct. Parce que tellement le direct a été signalé que Facebook a d'abord mis son. Sa restriction, ensuite ils ont signalé la vidéo. Et ce qui est mauvais, c'est que lorsque les gars te mettent la restriction pour rétablir cette restriction-là, ça prend des mois, voire parfois des années. J'ai dit, ça prend des mois. C'est-à-dire, il suffit que les gars te signalent massivement là. Et après, pour rétablir, ça prend des mois. Des mois, tu écris, tu envoies des emails, tout, 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 tout. tout. Mais ils ne vont pas. N'est-ce pas Ils ne vont pas, je dis bien, ils ne vont pas nous museler parce que nous, on est toujours là. Si vous fermez, la, vous réussissez à bloquer la page de Max Seigneur, il y a des milliers de personnes qui sont là et qui voient la vérité. La vérité, ça se voit. Les gars ont utilisé maintenant, euh, euh, c'est-à-dire qu'ils utilisent les, les joueurs de l'équipe nationale pour régler leur compte politique. On vous dit la vérité, ça vous fait mal. Pourquoi hein? Votre pasteur n'est pas là pour les affaires de football. Il est là pour régler ses comptes politiques. Il est là pour régler ses comptes politiques. Hein? Je ne le tape pas pourquoi, Amère Meilleur. C'est vous qui êtes souvent intimidé par des individus. Je ne le tape pas pourquoi il représente quoi il me provoque, je le tape. Je le tape bien. Je suis d'abord bien plus grand et plus costaud que lui. Donc, il me provoque, je le tape. Il m'amène au tribunal, je paye ce qu'on me demande. Vous les hommes, vous ne devez pas être intimidés par des individus. Si déjà je fais face à Bia et ses gardes du corps, Samson Yaseki. Je le croise, il me parle mal, je le tape. Est-ce que je parle, de, je, je bégaye quand je, 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 je dis ça. Moi, je, je ne suis pas en train de tergiverser. Voilà. C'est vous qui êtes parfois, je ne sais pas, l'homme noir a un sérieux problème. Zinedine Zidane n'est pas considéré comme un dieu en France. C'est vous qui prenez un petit farfelu au Cameroun. Vous dites que c'est un dieu. On vous pose la question. Pourquoi vous dites que parce qu'il jouait bien au football et qu'il a gagné beaucoup d'argent? C'est un critère. Pourquoi Baba Dampoulo n'est pas un dieu? Celui-là, il a plus d'argent que Baba Dampoulo. Baba Dampoulo n'est pas un dieu. Pourquoi? Normalement, tous ceux qui ont de l'argent devraient donc être des dieux. Parce que Baba Dampoulo emploie des milliers et des milliers de Camerounais. Il fait des choses au Cameroun. Il fait des choses en Afrique. Que le pasteur n'a jamais fait. Et ne fera jamais. Hein Baba Dampoulos c'est un dieu. Pourquoi Baba Dampoulos ce n'est donc pas un dieu. Vous parlez de jouer au football. Zambouangui ça aujourd'hui joue un bon football. Les Carlos Baleba, Les André Onana. Meilleur gardien de l'actuel c'est André Onana. Toutes les compétitions. Champions League machin truc. C'est le meilleur gardien actuel. André on en a devrait aussi être un dieu parce qu'il joue bien au ballon. Arrêtez souvent cette sauvagerie. Je vous ai toujours dit que quand quelque chose concerne les derniers publics, nous on va mettre nos bouches dedans. Les 1 milliard millions qui ont été décaissés pour deux matchs de football, c'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent du contribuable camerounais. Les gars se sont associés pour bouffer l'argent du contribuable. Et la bagarre qui est en train de se passer actuellement, c'est parce qu'il y a un camp qui a décidé que l'autre camp ne va plus gérer l'argent du contribuable là. n'est pas là pour vos beaux yeux, il est là pour se remplir les poches. Mais vous êtes entré dans une, c'est-à-dire, je sais pas, dans une, je sais pas ce qui se passe dans la tête de certains. Ils estiment que comme quelqu'un a beaucoup joué au ballon et qu'on l'a beaucoup filmé, il passait à la télé, il a tous les droits. On doit lui donner l'argent du contribuable et il gère comme il veut. Mais arrêtez! Et après, vous allez dire que vous voulez des meilleures conditions de vie. On doit vous donner des routes, on doit vous donner des machins, on doit vous faire ceci. Quand vous vous comportez comme vous vous comportez là, ceux qui nous dirigent comprennent que vous êtes des vauriens. Et ils vont continuer de vous piétiner. Samson a fait comme la musarène. Il il, tu vois, vous voyez la souris qui a le long nez là. Quand il vient te mordre pendant que tu dors, il mord un peu ton orteil pour chop. Il chop ton orteil, il souffle pour que ça ne fasse pas trop mal. Il chop, il souffle. Il chop encore, il souffle. C'est ce que Sam Soya est en train de faire. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Un homme sain d'esprit ne peut pas s'associer avec les vampires. Même si tu as quel genre de bonne intention, c'est impossible. Dites-moi une fois que Maurice Kamto aille s'associer avec le régime Bia pour le bien du Cameroun. Dites-moi que Maurice Kamto doit partir et dire à Bia que bon, nomme-moi premier ministre parce que c'est pour le bien du Cameroun. Ou bien que Maurice Camto aille une fois au RDPC. Il dit que bon, moi je viens au RDPC parce que je veux le changement. C'est ce que est au fait. Il est membre déjà du RDPC. Il bat campagne pour le RDPC alors que ce n'est même pas encore la campagne présidentielle. Mais les ignats viennent nous dire qu'il est en train de se battre pour le changement. Alors que le gars est en train de tout faire pour se remplir les poches. Tant que c'est lui qui gère l'argent. L'état met à la disposition de l'Afrique à pour l'équipe nationale. Il va partir, puisque l'état ne peut pas contrôler, il va partir prendre comme les, les affaires de surfacturation. Il va partir, euh, n'est-ce pas, dans un hôtel, prendre des chambres. Il va dire qu'on écrive sur la facture que les chambres coûtent 200 000 alors que la chambre coûte 50 000. Il encaisse. Hein? C'est ce qu'ils font. On ne dit pas que moi les combis fait mieux. Tout cela, c'est ce qu'ils font. On a dénoncé le fait que Mouele Kombi a détourné de l'argent ici avec ses amis de Magil pour la construction des stades. À cette époque-là, qu'est-ce que Eto a fait? Eto a apporté son soutien indéfectible à Mouele Kombi. Parce qu'à cette époque-là, Eto et Mouele et Kombi mangeaient ensemble. Et on avait fait des promesses à Eto. Les gars mangeaient ensemble. Il est parti jusqu'à naguer nos frères anglophones qui sont en guerre. Hein? Les gars mangeaient ensemble à cette époque. Aujourd'hui, maintenant que Popol a décidé que non, et on ne mange plus, que maintenant tout va être géré par le ministère, le gars sort maintenant que non. On sacrifie l'équipe nationale. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quelqu'un qui veut le bien de l'équipe nationale, qui veut le bien des joueurs, ne peut pas accepter que les joueurs aillent se mettre sur une pelouse comme celle de Garoua. Que la pelouse soit mal entretenue tout 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 tout, tout. c'est pas ça le problème le problème c'est l'état actuel de la pelouse pour tes égaux dimensionnés tu acceptes que des joueurs risquent les blessures sur le stade de garoua c'était quoi l'objectif d'aller jouer à garoua on ne dit pas que garoua c'est pas une ville du cameroun non mais le stade de garoua n'était pas prêt pour accueillir cette rencontre vous avez tous vu l'onies n'a donc pas menti L'oniès a dit que le stade n'était pas en état. On ne cherche pas à savoir pourquoi l'oniès n'a pas coupé le gazon, pourquoi l'oniès, pourquoi L'oniès a dit que le stade n'est pas en état. Est-ce que l'oniès a menti Non, le stade n'était donc pas en état. Vous avez tous vu à Mondo Vision que le stade de Garoua n'était pas en état pour accueillir cette rencontre. Et en plus, l'individu est parti négocier avec la CAF et ses amis n'est-ce pas Que les Lions vont s'entraîner dans un stade où il y avait un match de prévu. Le gars a tout le programme. Il a tout le programme FIFA et de la CAFE. Hein? Il savait très bien qu'il y avait un match qui se préparait sur le stade où les Lions devaient aller s'entraîner. Mais il a quand même dit que c'est là-bas que les Lions vont aller s'entraîner. Et ils ont fait leur manigance, leur manigance, leur manigance. Et finalement, les Lions n'ont pas pu s'entraîner parce qu'on a bloqué l'entraînement en disant qu'il oh, y a le match qui arrive. Tout, tout, tout. Vous faites ça comment? Vous étiez obligé aussi d'amener les Lions dans ce pays-là, sachant que le stade devait être occupé. Il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays. Où on était obligé d'aller jouer à Kampala. Il a organisé ça comment? Je n'entre pas encore dans ça. Mais sachez que depuis le dernier match, les Lions Indomptables ne se sont pas entraînés. C'est la FECAFOOT qui a tout géré de l'autre côté. Ils ont donc fait ça comment? Hein? Arrêtez souvent avec des, je sais pas, je sais pas, il y, y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est quoi? C'est les 500 francs, c'est 500 qu'on doit vous donner, qui vous, qui, dit, qui vous induit autant en erreur. Le pasteur de Tinga, c'est qui? pour qu'on le laisse jouer avec l'argent du contribuable. Et quand il gère mal, pendant deux ans, il a géré. Pendant deux ans, personne ne lui disait quoi faire. Pendant deux ans, il a géré. Quels sont les résultats Il demande les 5 milliards pour aller à la Coupe du Monde. Il demande 5 milliards pour aller à la Coupe du Monde. Il demande, c'était 8 milliards, on a dit que non, on va te donner 2 milliards, il dit oui, donc, ils savaient qu'ils pouvaient faire avec 2 milliards, mais ils demandent 8 milliards. Les trucs comme ça, c'est normal. On ne doit pas parler. C'est l'argent de qui Ce n'est pas une affaire de la FECAFOOT. Minon On s'en fout de savoir ce qu'ils font à la FECAFOOT. Ce n'est pas notre problème. On parle de l'équipe nationale du Cameroun qui fonctionne avec l'argent du contribuable. Donc, vous n'avez pas encore compris pourquoi nous, on ne fait que parler de cette affaire. Parce, nous, on ne parle pas de la gestion de la FECA -Foot. Je vous ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Je ne parle pas de la gestion de la FECA C'est une association de droits de, de droit privés avec les clubs, les machins. C'est leur problème là-bas. Mais l'équipe nationale de football du Cameroun fonctionne avec l'argent du contribuable camerounais. Donc la personne qui gère l'équipe nationale, là, doit nous rendre des comptes. Vous ne comprenez pas la différence qu'il y a entre les deux on ne parle pas de la gestion de la FECA foot. Ça ne nous intéresse pas. On parle de la gestion de l'équipe nationale et de l'argent qui est mis à la disposition de, de cette équipe. Pour deux matchs, on met 1,92 milliard. Pour deux matchs, merde. C'est quoi Accord. Ah, hein? Pour deux matchs, on met 1,92 milliard. Les enfants n'ont même pas de couveuse dans les hôpitaux. Hein? Pour aller jouer un petit match, tu entends une délégation de 40 personnes du côté de la FECAFoot, une délégation de 50 personnes du côté du ministère des Sports. Quand ce sera la Coupe du Monde, ils vont seulement partir avec une délégation de 200 personnes aux frais du contribuable camerounais. Quand vous entendez que les gars bagarrent pour aller jouer à Garoua, c'est parce que les gars voulaient se déplacer et qu'on donne les frais de mission aux frais du contribuable camerounais. C'est quoi On n'a rien à faire avec notre argent. Et quand on parle, les gars, bloquent nos pages. Ça veut dire quoi? On n'a rien à faire avec cet agent-là. Les gens me disent que le pasto est venu changer. On a commencé à crier sur le pasto quand on a vu les factures profondes qu'il envoyait à gauche, à droite, les milliards à gauche, les milliards. On dit, mais mon frère, tu as dit que tu viens changer le football, non. Mais tes premières décisions coûtent des dizaines de milliards à l'État du Cameroun. C'est quoi c'est là où notre problème a commencé avec l'individu. Il a supporté Bia, on l'a lavé et puis on l'a laissé. Vous avez vu, même certains activistes ont fait sa campagne quand il est devenu président de l'Afrika Foot parce que les gars estimaient que non. Bon, peut-être qu'il est là pour changer les choses. Mais dès qu'il est arrivé, bang Comme son père, Popo, l a dit que laissez-le gérer comme il veut il nous met d'abord dans les problèmes. Il dit qu'il veut Rigobertson. Rigobertson, il a fait ses preuves où On ne sait pas. Il chasse comme c'est ça ou qui était encore sur contrat. Résultat, procès. Comme c'est ça ou a besoin de beaucoup de milliards. Il chasse le corps sportif. le corps sportif est là, il dérange, nanani, nanana. Résultat, le corps sportif nous fait le procès. On demande des dizaines de milliards qui vont sortir des caisses de l'État. Ce n'est pas des caisses de la Food. L'Africa Food a quel argent les milliards vont sortir des caisses de l'État. Parce que c'est une affaire de l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est la propriété de l'État du Cameroun. C'est l'État qui sort l'argent pour gérer l'équipe nationale. Ce n'est pas la Foot. C'est notre argent. On ne doit pas parler. Parce qu'il y a une bande de saugrenus qui a décidé de venir détruire nos, nos plateformes. Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire quoi Vous avez des gens qui sont là, ils n'arrivent même pas à manger. Mais ils vont aller acclamer quelqu'un qui aide les autres à, à dilapider l'argent du contribuable. Ils sont là pleins même dans les directs, s'ils sont là. Il y a les autres là, comme les... Ou c'est Amang Meyer, ou c'est les quoi, quoi, quoi. Ils sont nombreux dans les directs là. Les gars n'arrivent même pas à manger deux fois par jour. Mais ils vont acclamer celui qui parle, qui, qui soutient ceux qui les affament. Ils vont acclamer oui Eto, bravo Eto, bravo Eto. Et dit Paul Biya c'est le meilleur président. Regardez vos vies. Regardez vos vies. Paul Biya c'est le meilleur président selon votre pasteur. Regardez donc vos vies. Faites le bilan de Paul Biya et dites-moi si Paul Biya c'est le meilleur président. Et dit Paul Biya doit encore rester au pouvoir parce que c'est le seul et unique champion du Cameroun. Il vous insulte, et il insulte vos intelligences. Parce que 30 millions de Camerounais que vous êtes, personne n'est assez intelligent pour remplacer Bia. Malgré ses 92 ans, il reste le seul champion, seul et unique champion. Même Mike Tyson, quand il est arrivé à un certain âge sur le ring, il montait, on le tapait, on le tapait, on le tapait. Lui-même, en descendant du ring, il ne comprenait pas sa tête, il a fui. Mais Sam Soya vient vous dire que vous méritez vos conditions de vie. Oui, vous méritez vos conditions de vie. Les routes qui vous tuent tous les jours, que Paul Bia refuse de construire, là, vous méritez. C'est ce que Samsouya vous dit. Vous méritez ça. Il vous insulte et vous applaudissez. Il vous dit que pour Paul, vous partez à l'école tous les jours. D'autres se vantent de partir à l'ENAM. D'autres se vantent d'avoir des doctorats, comme David Eboutou. Ils se vantent d'avoir des doctorats. Les doctorats, on connaît très bien où ils ont eu ces doctorats. Dans des cabinets, avec les pantalons baissés. Parce que. Un vrai docteur ne peut pas réfléchir comme je vois les autres là réfléchir. Vous êtes là, vous dites que le Cameroun là vraiment, ça ne va pas. Mais vous applaudissez Popol. Pour Paul. Popol pour Paul qui était censé améliorer vos conditions de vie. Il ne fait que détruire le Cameroun. Et vous applaudissez celui qui va vous dire que non, c'est bien comme Popol détruit le Cameroun. Vous applaudissez. C'est incroyable. c'est incroyable ce que je suis en train de voir avec les camerounais et c'est la raison pour laquelle la majorité des africains aujourd'hui se moquent de nous Paul Biya est parti chercher les chinois les chinois vont venir il est parti vendre le reste du Cameroun aux chinois c'est fini les chinois les chinois là vont venir au Cameroun ils vont vous faire ça dur vous avez vu le dernier reportage là j'ai vu ça sur YouTube où les Chinois sont versés partout à Douala Yaoundé. Les Chinois ne payent pas la douane au Cameroun. Ce sont les accords que Popol signe avec eux. Ça veut dire que toi, le Camerounais, tu pars en Chine, tu achètes un produit. Tu arrives au Cameroun, tu payes la douane. Mais le Chinois arrive au Cameroun avec le même produit, il ne paye pas la douane. Résultat, tu pars sur le marché pour vendre tes produits. Le Chinois vend le même produit 50 fois plus moins cher que toi. Et après, les Chinois, les Libanais, tout cela, c'est ce que Popol signe. Ils sont sur le même marché avec vous. Ils vendent en même temps aux grossistes et ils vendent en même temps aux revendeurs au même, euh, au même prix. Ils vendent, ils vendent en détail et en gros au même prix. Les lois du commerce ne sont pas respectées. Tu pars chez le chinois. Il te dit que non, le truc, c'est que tu vois là vraiment, il te dit, hein, ça là, ça coûte 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Tu dis que, oh, je suis grossiste, je vais aller vendre même à 1500 et gagner. Tu portes, tu peut-être 1000 pièces, tu pars. Quelqu'un vient acheter la même chose pour utiliser. Il veut une pièce. Le Chinois lui vend toujours à 1000 francs. C'est ce que les Chinois font au Cameroun. Les témoignages sont nombreux. Il y a les, les, les plateaux télé, les, 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 les chaînes de télévision, autant pour moi, qui font des reportages sur le comportement des Chinois au Cameroun. Hein C'est ce que Popolpa a signé avec la Chine. La Chine fait partie des pays qui ne contrôlent pas lorsqu'ils te donnent l'argent. Ils ne cherchent pas à savoir ce que tu fais avec. Son problème, c'est qu'ils te donnent l'argent jusqu'à ce que tu n'arrives plus à rembourser. Après, ils viennent réclamer une partie de ton pays. Est-ce que vous savez que Popola a déjà livré des, 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 des dizaines de milliers d'hectares du Cameroun aux Chinois Ça leur appartient. Il a signé le titre, le titre foncier aux Chinois. Ça leur appartient. Vous le savez. Le pasteur de Tinga estime que c'est un bon président. Comment vous-même les Camerounais, vous pouvez laisser un papa de 92 ans aller négocier des contrats pour votre avenir Un papa de 92 ans va négocier quoi Qui concerne des millions de personnes. Vous faites ça dans vos propres familles. Que ton père a 92 ans, vous le laissez aller négocier des contrats. Vous faites ça comment Vous faites ça comment Et lorsqu'on parle, ce que les gars font, c'est qu'ils cherchent absolument à détruire nos pages. Mais quand on vous dit que c'est. Ça dit que. Je ne sais pas. Et c'est des trucs ciblés. C'est-à-dire les personnes qui sont vraiment logiques et cohérentes. Ce sont eux qu'on cible. Parce qu'ils savent qu'on expose cette mafia. On expose cette mafia. Les gens vont venir nous parler des affaires personnelles, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de, de la vie personnelle des tout Qu'est-ce que j'en ai à foutre de sa vie personnelle Je ne parle que de sa gestion de l'affaire publique. Hmm? La gestion de l'affaire publique. Il n'avait qu'à créer son entreprise ou créer son club de football. Personne n'allait jamais parler de lui. Aujourd'hui, on voit comment il est en train de mettre le bâton dans les roues aux jeunes qui sont en train de vouloir émerger aussi. Il les fait jouer, il fait tout pour que les gars jouent sur des stades qui ne sont pas commodes. Hum? Et après, vous allez voir, ces gens vont venir parler des buts qu'il a marqués. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des buts qu'il a marqués C'était son, son temps est passé. Hasbin. Aujourd'hui, on doit parler des buts que marque ou bien du jeu de Anzo Nano, du jeu de Zambouangissa, du jeu de Mbemo, de, de, de Vincent Abubaka, le capitaine de l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que l'autre faisait avant? C'était avant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous allez voir, les gars vont inonder les plateaux de télé, mais c'était un grand footballeur. Il avait marqué, mais non, on n'en a rien à cirer, c'est fini, son temps est passé. Son temps est passé, révolu, terminé. Aujourd'hui, il y a des nouveaux, si bien que vous allez voir ces gens, les gars se placent là, même quand les lions gagnent, ça les énerve. Les lions gagnent, oh, vous allez voir les, les 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 communicateurs des taux, vous allez voir l'autre va sortir. Le but là était hors jeu. Vraiment, c'était un but hors jeu. Hein. C'était un but hors jeu. Tout ça pourquoi Parce que Marc Brice est en train de faire que l'équipe nationale joue une autre, t'as dit, un autre football. T'as dit, t'as dit, une autre stratégie. Hein? On voit des gars au stade qui sont à l'aise, ce qui n'était pas le cas quand Rigobert sont là. Quand Rigobert sont été là, on voyait et tout au stade en train de s'entraîner avec les Lions. Hein? C'est les choses comme ça qu'on dénonce. Aujourd'hui que les gars sont libres, les gars sortent, ils vous sortent une tête ballon, une tête ballon, une tête ballon. Les gars jouent et les premières personnes à leur mettre les bâtons dans les roues, ce sont encore les mêmes gens. Qui de la FECAFOOT. Quelle est cette, cette guerre qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner Quelle est cette guerre Pour quel intérêt Ils font tout pour démoraliser les gars. Vous voyez les posts que les gars font sur Facebook, sur André Nana, sur Vincent Aboubacar, jusqu'à insulter même son physique. Parce que Vincent Aboubacar a marqué un but. Les supporters des taux, hein. Parce que Vincent un but, on l'insulte jusqu'à insulter son physique. On insulte Anzo Onana parce qu'Anzo on, Onana a dit que le supérieur hiérarchique, c'est le coach. Les gars viennent dire que, mais, quand c'était Rigobertson, tu ne pas, tu, 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 discutais pourquoi. Anzo Onana vous a bien dit qu'il discutait parce que ce n'était pas Rigobertson qui prenait les décisions. Ce n'était pas Rigobertson. Les gars étaient dans les vestiaires tout le temps. C'est Eto qui vient. Il gronde. Il gronde. Il prend les décisions. Il gronde. C'est Eto qui fait les classements. Rigobès, on pouvait dire quoi Rien. Il était seulement là comme comme une chienne mouillée. Hein? C'est pour ça que les professionnels comme les Ngade, les Anzo Onana ont dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Dès qu'ils ont dit non, on les a chassés. Regardez aujourd'hui, lorsque vous voyez ces gars, les gars sont à l'aise. Le visage est toujours joyeux. Les gars vous disent qu'ils sont, ils, sont ils, ils se comprennent, ils s'entendent. Dites-moi, quand Rigobert ont été là, les gars jouaient quel ballon Regardez comment, les gars se, les gars Regardez comment les gars sont à l'aise aujourd'hui. Regardez comment les gars sont à l'aise. C'est Eto qui faisait les classements à l'époque. Vous avez des images, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire où Eto était au stade. Comment il s'entraînait avec les, les, les gars au stade. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Pourquoi Parce que le nouveau coach a dit, mais non, joue ton rôle de président ailleurs. Ce n'est pas dans mes vestiaires. Et André, on en a raison. Leur supérieur hiérarchique direct, c'est le coach. C'est le coach. L'équipe nationale de football a du Cameroun, a un coach comme patron. Le reste, là, eux, ils ne gèrent pas. Ils écoutent ce que le coach dit. C'est comme ça, les professionnels, même dans les clubs. C'est le coach qui dit faites comme ça, les joueurs font. Après, le coach, lui, là, c'est patron. Ça, ça les regarde. Ça, ça les regarde. Et le patron du coach, c'est celui qui le paye. C'est comme ça que ça marche. Il va rendre compte à celui qui, lui, qui, qui lui, lui verse son salaire. Celui avec qui il a signé un contrat. Mais le patron direct des joueurs, c'est le coach. Et je vous ai toujours dit que même si on veut parler de la FECAFOOT et de son président, ils ne sont pas les patrons ils sont des collaborateurs. Ils sont des collaborateurs. Quand on veut parler d'une relation entre la Foot et les équipes nationales, ce sont des collaborateurs. Ce sont des collaborateurs. Je répète encore. Parce que vous, je ne sais pas pourquoi l'homme noir aime toujours se coucher, on marche sur lui. Et quand il voit quelqu'un qui se tient debout et fier, ça l'énerve. Non, ce sont des collaborateurs. Il n'est pas le patron de l'équipe nationale, je suis désolé. Hierarchiquement, non. Et en plus, l'équipe nationale du Cameroun, on, on, lui a juste, on a juste confié la gestion à la foot. C'est tout. On a confié la gestion à la foot. C'est tout. L'équipe nationale du Cameroun est une. Les Lions Indomptables du Cameroun, c'est une marque déposée. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Quand ils partent jouer, ils partent jouer au nom du Cameroun et non de, au nom de la Fecafoot. Donc même si on veut parler de hiérarchie, si la Fecafoot dit que oui, nous sommes Cameroun, c'est nous qui gérons. Mais qui est le patron de la Fecafoot au Cameroun? Fédération camerounaise de football. Qui est son patron? C'est pas l'État du Cameroun? Alors laissez-moi vos histoires quand on dit que machin, truc. que ce soit les combis ou bien que ce soit un gouvernement démocratique, c'est la même chose. Il n'y a pas de demi-mesure. Que ce soit le gouvernement de Bia, que ce soit le gouvernement de Macron ou autre. Si vous pensez et vous estimez que vous pouvez gérer l'équipe nationale, eh bien, gérez aussi les ressources. Sortez l'argent de vos poches. Là, comme ça, là, on va dire que oui, vous êtes autonome et donc l'État n'a rien à voir dans cette histoire. L'État va seulement peut-être s'occuper du plan sécuritaire et sanitaire et autres. Des infrastructures, peut-être, parce que dans d'autres pays, c'est même la fédération qui construit ses propres stades pour ne pas être dépendant de l'État. Mais vous ne pouvez pas être là quand vous dépendez de l'argent qui sort des caisses de l'État et vous voulez imposer vos règles. Ça ne se passe pas comme ça. Encore que l'équipe nationale n'est pas votre propriété, c'est la propriété de tous les Camerounais. Et ce ne sont pas tous les Camerounais qui ont voté le président de la FECAFO, ce sont les délégués. Ce sont des délégués. Et ces délégués-là ont été envoyés par des, je pense, des clubs. Donc c'est une affaire privée là-bas. Donc quelqu'un qui est président d'une association de droits privés ne saurait prendre des décisions en ce qui concerne quelque chose qui appartient à tout un peuple. Mais comme les églisiens sont bouchés, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre. La personne à qui on demande des comptes sur la gestion de, de l'argent public, c'est celui qui a été mis pour gérer l'argent public. À quel moment le peuple camerounais va demander les comptes à Samuel Eto sur l'argent public C'est l'État du Cameroun qui va demander. Parce que nous, le peuple, on réclame à l'État du Cameroun. Et donc si Eto vole, nous on dénonce, on dit que Eto a volé. Demandez-lui des comptes. On crie, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Vraiment, quand on veut le. Quand on veut que les choses changent, il faut qu'on respecte les règles. Il faut qu'on respecte les règles. Si Eto vole l'argent de, de, maintenant là et il part. On va réclamer à l'État du euh, 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 au gouvernement que remettez, demandez-lui de remettre notre argent. Demandez-lui de remettre notre cap. Et c'est le gouvernement qui va se plonger sur ça. Mais les gars sont en train de signaler ma page grave. Hein? J'ai dit que c'est grave. Attendez un peu, je vois. Massa. Et ils sont organisés. Hein? Les gars sont organisés. Hein? Wow. Vous vous dérangez pour rien. J'ai des informaticiens qui se chargent de ça. Signalez comme vous voulez. Vous vous dérangez pour rien. Les gars, les gars vont faire mettre la restriction. Après, ils vont lever. Vous ne pouvez pas, jamais vous ne pourrez fermer mes pages. Jamais. Je vous mets au défi. Jamais vous ne pourrez fermer mes pages. Vous allez restreindre au moment. Et après, pang, on va lever. C'est comme ça. Mais essayons un peu parfois de, 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 de réfléchir. Dis-moi avec qui tu, es, tu marches et je te dirai qui tu es. Ceux qui se trompent dans leurs analyses pensent que l'équipe du national est, l'équipe nationale du Cameroun, n'est-ce pas, est la propriété de la Foot. Non. Je les comprends. Je comprends certaines personnes hein, qui pensent que l'équipe nationale, c'est la propriété de la Foot. parce qu'effectivement, ils ne sont pas au courant que ce n'est pas le cas. L'équipe nationale est différente des clubs de football. L'équipe nationale représente le Cameroun. L'équipe nationale n'appartient pas à la FECAFOOT. C'est l'État du Cameroun qui confie la gestion de l'équipe nationale à la Dès que vous partez sur ces bases-là, vous comprenez tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et dans le cas du Cameroun, le football est un outil politique vraiment très fort. Et c'est une chose où il y a beaucoup d'argent. Et toi, vous-même vous a dit qu'il y a tellement d'argent dans le football-là. Et l'argent sort vite. C'est l'une des choses qui fait au Cameroun que l'argent sort vite. D'ailleurs, Valère Bessala vous a dit que c'est la deuxième source de dépenses de l'État du Cameroun. Le football, <laughs> l'équipe nationale, hein? même pas que le football en général, l'équipe nationale. <laughs> il y a beaucoup d'argent. La preuve, non, on vous dit qu'il faut 1 milliard 92 millions rien que pour aller jouer deux matchs. Rien que pour aller jouer deux matchs, il faut 1 milliard 92 millions. C'est pour faire quoi Match à l'extérieur et match à l'intérieur, 2 milliards. C'est pour faire quoi 1 milliard 92 millions, autant pour moi, c'est pour faire quoi On vous dit qu'il faut 5 milliards pour aller jouer la Coupe du Monde. Il faut 3 milliards pour aller jouer la Cannes. C'est pour faire quoi C'est-à-dire que pour transporter les joueurs et le staff, aller jouer la Cannes et revenir, payer les hôtels, la nourriture, tout, 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 ça fait 5 milliards. Ça fait 3 milliards. Le Saint-Esprit. Vous savez très bien en gestion d'entreprise que lorsqu'un individu vous dit qu'il ne touche pas son salaire, c'est là où une enquête doit être ouverte sur lui. D'ailleurs, pour le cas d'Eto, je vous ai dit qu'une enquête est en cours déjà sur lui. Hein. Quand quelqu'un vous dit qu'il travaille et qu'il ne touche pas son salaire, sachez que c'est le plus gros malhonnête qui existe. Surtout quand il gère une chose publique, une chose qui ne lui appartient pas. Dans un pays sérieux, si Eto n'était pas du RDPC, c'est que les gars-là l'ont déjà envoyé en prison depuis. C'est parce que Eto, lui, il est là dans le RDPC que les gars sont encore en train de TGV. C'est parce que qu les déclarations d'Eto sont graves. Que parfois, ça ne va pas à la Foot, ça ne va pas. Lui-même, il sort son argent de ses propres poches pour régler les problèmes. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. À quel moment on gère la chose? Public comme ça, parce que même la FECAFOOD là que vous voyez, comme je vous disais tantôt, c'est une association de droits privé mais ça appartient à plusieurs personnes. Non, on peut dire que c'est aussi public. Pas public dans le sens que le peuple camerounais, mais c'est public parce que ça appartient à plusieurs personnes. C'est une association qui est là pour gérer, n'est-ce pas, un bien de plusieurs personnes. C'est l'interlocuteur entre la, la Confédération africaine de football, la FIFA et les clubs de football. Les présidents des clubs qui mettent leur argent pour le fonctionnement du football au Cameroun. La FECAFOOT est là pour encaisser l'argent et gérer, veiller à ce que ce soit bien géré. Donc, d'où vient-il que Eto vous dit qu'il sort l'argent de ses poches pour mettre dans les affaires de football de la FECAFOOT, de l'équipe nationale et qu'on sort que quand les choses, ça ne va pas Mais c'est grave. C'est comme si un ministre vous dit aussi que, écoutez. Quand ça ne va pas dans mon ministère, je sors l'argent dans mon compte bancaire pour lui faire X, Y. C'est un peu comme si Donald Trump, président des États-Unis, pendant qu'il est en fonction, autant pour moi, vous dit que bon, quand ça n'allait pas aux États-Unis, j'ai d'abord sorti l'argent dans mon compte bancaire personnel pour gérer les affaires des États-Unis. Mais c'est un scandale. Est-ce qu'en Afrique, on connaît ça On ne connaît même pas l'éthique. En Afrique, on ne connaît même pas ça. Parce que quand tu fais une déclaration comme ça, lorsque tu gères quelque chose qui ne t'appartient pas, mon frère, c'est un scandale. Si c'était son entreprise, si c'est ton entreprise personnelle, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a des mécanismes pour que tu injectes ton argent dans ton entreprise personnelle, il y a des mécanismes. Ça ne se fait pas seulement comme ça. Il y a des mécanismes. Surtout que peut-être l'entreprise est ton entreprise personnelle, mais il y a un conseil d'administration. La FECAFOUT a un conseil d'administration. Hein? Alors, d'où vient-il que ce soit Eto qui sorte l'argent de ses poches pour gérer certains problèmes de la FECAFOUT Si Eto veut partir louer un hôtel et que la FECAFOUT n'a pas mis les fonds à sa disposition, ou bien que l'État du Cameroun n'a pas mis ses fonds, les fonds à sa disposition, il ne loue pas l'hôtel. Même s'il si est multimilliardaire, il ne loue pas l'hôtel. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on gère les choses. Si c'est l'État qui doit payer, ils vont trouver un moyen de faire même une lettre de crédit ou je ne sais pas quoi. Mais tu ne peux pas dire en Mondovision que tu sors l'argent de tes poches pour mettre dans la gestion d'une affaire publique. Mais c'est un scandale. Mais est-ce que vous allez alors comprendre ça? Mais vraiment, ça dit, passe-toi, malhonnête. Et le match, là, c'est dans combien de temps même là Je ne sais même pas où moi-même, je vais un peu regarder le match là. Parce que les Lions, là, ils donnent encore envie de voir. Puisque les Camerounais aiment le football, regardons tous le football. Peut-être grâce à ça, vous allez comprendre que c'est un outil politique majeur au Cameroun. C'est un outil majeur au Cameroun de, de manipulation. Quelqu'un vous insulte tous les jours, mais vous êtes toujours en train d'applaudir. Oui, parce qu'il courait derrière le ballon. Une baignou, vraiment. C'est quand même lamentable. Hein? C'est quand même lamentable. Mais on va vous enseigner. Vous allez tout faire, mais ça va entrer dans vos ciboules. On va vous enseigner. Le gars est entré dans un jeu de dupes. Et ils sont en train de vous duper ensemble. Actuellement, ils font la guerre au détriment des joueurs de l'équipe nationale parce qu'il y a trop d'argent. Parce que si les gars faisaient la guerre pour le football, ils allaient veiller à ce que l'équipe nationale soit toujours dans de bonnes conditions. Même s'ils ont des problèmes avec le MINICEP, ils devaient veiller à ce que l'équipe nationale soit dans de bonnes conditions. Vous avez vu. Mais comme vous êtes ignares. Vous, avez, vous vous êtes vanté que non, mais voilà, on est parti jouer à Garoua, on est parti jouer à Garoua, non Dans quel état Le stade de Garoua était dans quel état Et ce qui est marrant, c'est que quand nous on dénonce. Le match à 17h, ne commencez pas à 15h. Quand nous on dénonce la mauvaise gestion de ces infrastructures, vous êtes encore les premiers à venir nous combattre. Parce que je vous rappelle que depuis 2018, c'est ce que nous on dénonce la mauvaise gestion. Vous êtes venu, vous dites que vous nous combattez, hein? vous nous combattez. Vous dites que non, on ne doit pas parler. Pour d'autres, vous nous dites venez au Cameroun parler parce que vous savez que si je mets mes pieds au Cameroun, on va me faire comme on a fait à Martinez-Ogo. Hein? Donc choisissez ce que vous voulez. Parce que quand je dénonce la mauvaise gestion de Bia, c'est tout ça. Hein? La mauvaise gestion de Bia, c'est tout ça. Mais entre-temps, pendant que je dénonce la mauvaise gestion de Bia, Samuel Eto vous dit de soutenir Bia. Maintenant, je dénonce le fait que Samuel Eto soutient Bia. Vous vous plaignez que Bia gère mal le Cameroun. Finalement, vous voulez quoi hein? Si vous vous plaignez que Bia gère mal le Cameroun, vous devez normalement aussi vous plaindre que Samuel Eto soutient Bia qui gère mal le Cameroun. Vous voyez que vous êtes incohérent. Vous êtes incohérent. Et après, il y en a qui vont venir nous dire On vous attend en 2025, votre combat là, votre combat. En quoi est-ce que mon combat te concerne Puisque si tu estimes que c'est mon combat, la façon dont je gère ce combat ne te concerne pas, puisque tu ne te sens pas concerné par le changement au Cameroun. Ça veut dire que tu te plais dans le statu quo. Donc tu n'as pas de leçon à venir me donner en disant que c'est votre combat là, vraiment, on croyait en vous. C'est votre combat. Donc pour vous, on se bat pour nous n'est-ce pas donc selon vous autant pour moi nous on se bat pour nous c'est à dire que je vous êtes là dans un quartier vous n'avez pas d'eau potable je suis à la SNEC en train de bagarrer avec les gars que il faut l'eau potable dans le quartier là toi tu es au quartier tu n'as pas d'eau potable tu vois comment les gars de la SNEC sont en train de me malmener tu te moques de moi tu dis que regarde comment il est faible. Les gens de la SNEC là sont en train de le malmener. En tout cas, gagne alors la SNEC là, on voit, non Gagne alors la SNEC là, on voit. Alors que moi je suis en train de me battre pour qu'on mette l'eau dans ton quartier, où toi-même tu vas profiter. Tu estimes que c'est mon combat moi seul. Laisse-moi donc faire mon combat. Il y a d'autres qui viennent dire on vous attend en 2025. Hein? On vous attend en 2025. On va vous sanctionner. À Zambedou. Vous allez me sanctionner. Comment Comment vous allez me sanctionner Je vous pose maintenant la question. En 2025, on va vous sanctionner. En 2025, on va vous sanctionner. Mais vous allez nous sanctionner comment en 2025 Parce que vous estimez que en 2025, là, je vais porter mes pieds, je vais venir rouler sur la, 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 la langue de chat de Douala Yaoundé pour que ça me tue, c'est ça. C'est toujours vous qui allez rouler sur ces langues de chat. Des mêmes personnes, n'est-ce pas qui passent leur temps à nous combattre lorsqu'on combat le régime Bia. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de nous combattre parce qu'on combat et tout, mais ils sont encore plus violents. On, ils disent que non, que leur pasteur a toujours raison. Même s'il mange tout l'argent du Cameroun, il aura toujours raison. Quand vous pensez déjà comme ça, c'est pour que le Cameroun se développe comment? d'autres personnes qui font partie aussi, n'est-ce pas, de notre lutte, ils disent que non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Je vous dis que mais attendez, allez aussi dans le RDPC et dites que vous voulez le changement du Cameroun, parce que il y en a qui peuvent avoir les passes droits et d'autres pas. Samuel Etou vous dit qu'il soutient Paul Biya, il soutient le RDPC, mais vous aussi soutenez Paul Biya, soutenez le RDPC. En même temps vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. C'est ce que Eto est en train de faire. C'est d'une incohérence incroyable. On veut le changement en soutenant celui qui nous maintient dans le statu quo. Ça a quel sens Dieu parle comme ça des gars comme le David et Boutou. par exemple. Parce que dès que je pète, il est sur mon dos. Ou j'avais fait quoi au gars là où je ne sais pas. Je ne sais pas où il a pris son doctorat. Je prononce même son nom parce que vraiment ça me fait rire. Il ne prononce pas les noms des gens. Il a pris son doctorat où Même une simple compréhension de texte. Une petite phrase, un petit paragraphe, il est incapable de comprendre. Soit il est dans une grosse manipulation, soit c'est un feignant. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il puisse être capable de manipuler qui que ce soit. C'est un feignant. Et ils sont nombreux comme ça, des feignants. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Pour avoir le doctorat, ils sont partis dans des cabinets. Ils ont baissé la culotte. C'est tout. Ils ont baissé la culotte et ils sont ressortis de là avec un diplôme. Parce que lorsque vous regardez, vous, vous observez, vous, vous les écoutez. Mais vous vous dites, oh là là, on doit revoir ce qui se passe au Cameroun. Pour obtenir un diplôme, on doit revoir. Parce que ce sont des diplômes sexuellement transmissibles. Hein? Quand tu vois quelqu'un comme... Euh, euh, un gars comme David Eboutou, il met docteur devant son nom, il dit qu'il a le doctorat. Après, tu pars en France, tu regardes un doctorant. Tu vois même seulement un élève de deuxième année de université. Non, un élève même qui n'a même pas encore le bac. Un élève qui est encore au lycée. Tu le mets avec David Eboutou. Tu dis que wesh! <laughs> <tus> tu le mets à côté de un élève qui est encore au lycée. Euh, en France ou bien en Allemagne ou au, au Royaume-Uni, ici, qui n'a même pas encore le bac, tu le mets à côté d'un David Eboutou qui dit qu'il a le doctorat. Mais mon frère, tu vas comprendre que le doctorat au Cameroun actuellement est sexuellement transmissible. Les hommes et les femmes, personne n'échappe. Exemple, voilà David Eboutou. <laughs> quand on va lui envoyer la vidéo, aussi. Il va devenir malade. <laughs> C'est ça, hein? quand on dit la vérité, ça énerve beaucoup les gens, ça, ça vous énerve. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire On n'en a rien à faire. Rien du tout. Nous, on dit ce qui est. Raisonnez, raisonnez, raisonnez. Vous avez un professeur de droit comme Koum Vondor. Professeur de droit image marche derrière un individu. Tout ça à cause de l'argent. Wesh. Professeur de droit à l'université, s'il vous plaît. c'est pas les histoires. Kumvondo est professeur de droit à l'université. Il donne des cours de droit aux futurs juristes camerounais. Mais voyez Kumvondo. Kumvondo est dans la logique que Eto a toujours raison. Un professeur de droit, hein, il dit que Eto a toujours raison. Il est incapable de dire à Eto que tu sais. Parfois ça, ça peut être comme ça, parfois ça peut être. Non, 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 non. On ne vendons pas même sur les plateaux télé, jusqu'à ce se fâchent. Ouais. On est fini au Cameroun, je vous jure. On est foutu. Quand il vous dit qu'on est foutu là. Est quoi? Je ne sais pas. I don't know. On est foutu. What? Non, ce n'est pas sérieux. Les gars, refaites encore un tour de partage sur Facebook. On va bombarder comme ça jusqu'à la page là, va redevenir normale. Je vous ai montré toutes les restrictions que les gars nous ont, nous ont, nous ont fait. Donc, donc là où on est là, on force seulement, regarde, tout, toutes les restrictions, c'est là. Voilà. Voici la dernière notification qu'ils m'ont envoyée aujourd'hui à 13h47. Voilà ça. Euh, nous n'avons pas supprimé les restrictions sur votre compte. Donc, nous avons examiné l'activité sur votre compte. Nous confirmons qu'elle ne respecte pas nos standards. Cela signifie que votre compte restera restreint. Nous comprenons votre déception, mais nous voulons que Facebook, nanani, nanana, s'est monté, s'est descendu. Voilà ça. Attendez, je vous montre la date. Vous voyez bien, parce qu'il ne faut pas que les gens disent que, nanani, nanana, voilà la date, le 10 septembre 2024. Voilà la date, c'est parce que euh, le truc, attendez, je vais vous montrer. Les gars nous ont, les gars nous ont fait ça du. Voilà ça. 10 septembre 2024. Vous voyez Donc là où nous sommes là, nous sommes farouchement restreints. Mais on, on est là, on est là on, on est là, on est là, on est là. On est là, on ne bouge pas. Non, 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 sur TikTok, ce n'est pas à vous, je monte. Je suis en train de montrer aux gens de Facebook. Ce <laughs> n'est pas à TikTok. Sur TikTok, je ne suis pas en vidéo. <laughs> je ne suis pas en vidéo sur TikTok. Je suis en vidéo sur Facebook actuellement avec mes amis de Facebook. Ça fait longtemps, je n'avais pas fait de live euh, sur Facebook. Mais j'ai mis l'audio sur TikTok, que vous puissiez au moins sur TikTok écouter ce que je dis. Sur TikTok, tapotez l'écran, vous ne tapotez pas l'écran depuis. On n'a même pas encore atteint les 100 cas. Vous ne tapotez pas l'écran depuis. Je vous guette seulement. Hein. Je vois seulement ce que vous faites. Sur Facebook, mettez les cœurs. Mettez les cœurs avant qu'on continue. On me dit que le match, là, c'est à, à, à 17h. Je comprends pas très bien euh, ce que vous voulez me faire. là. Moi, j'ai cru que c'était à 15h. J'ai vu une affiche, là. Où on m'a dit que c'est 15h. Hum? C'est quoi? Cameroun, euh... Zimbabwe. Mmh. Ah oui, aujourd'hui à 17h. Aujourd'hui à 17h, ok. Ça c'est 17h. Oui, c'est 17h euh, d'ici. Donc il sera 17h au Cameroun. C'est ça? 18h en France. Donc, euh, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Sur Canal Plus, quel canal plus euh, Técam? Sur quel canal plus? Dis-moi un peu.

C'est 17 h ici. Voilà. 17 h ici. Donc, je vais, il euh, va aller fouiller. J'ai, n'ai pas canal plus sport dans mon bouquet ici. Les Anglais sont trop violents. Voilà. Donc, en réalité, c'est ça. Vous, vous, voyez, notre Cameroun est vendu. Pourquoi? Je comprends les coups vendus et les David et Boutou. Je les comprends. En fait, les gars, c'est là pas du gain. C'est la pas du gain. Et même vous allez voir, euh, euh, certains églisiens qui sont là-bas au Cameroun, là, bref, presque tous, hein, c'est l'argent, c'est la part du gain. Les gars sont derrière les milliards qu'on met dans le football parce que vraiment l'argent, là, sort. Mon frère, 1 milliard 92 millions pour deux matchs. Après, vous allez voir, les filles vont venir ici, là, se plaindre que, oh, j'ai accouché, je suis prisonnier à l'hôpital parce qu'on m'a enfermé, parce que je n'ai pas payé, nanani, nanana, donc je suis à l'hôpital depuis deux mois. Prisonnière avec mon bébé. Hmm? Et après c'est la même fille qui va applaudir quand Samuel Eto sera là, il va parler, elle va applaudir. Oh, Samuel Lito, oh, yeah, yeah! oui, oui. Quand Paul Bia va partir, quand Paul Biya va peut-être passer à la télévision avec Chantal Bia. elle va chanter. Ah oh, maman Chantal Biya, ouais, oh yeah, ouais, oh yeah, ouais. Oh yeah! Après elle va appeler que ouais il faut vraiment que maman Chantal Bia que papa Paul Bia soit au courant de notre situation. C'est pour ça que moi j'ai décidé de ne plus venir, venir en aide aux gens. Parce qu'ils nous prennent pour des fous. Ils encouragent Chantal Bia et Paul Bia. Et quand ils ont des problèmes, ils viennent, ils viennent nous demander de les aider. Tu vois, ici, elle est couchée à l'hôpital. Je vous jure. Elle a la tenue du RDPC. Elle pleure. Parce qu'on doit l'opérer. Elle n'a pas d'argent. Mais elle est couchée avec la tenue du RDPC sur son lit d'hôpital. Euh... Donc vous êtes là, vous êtes dans le RDPC, vous applaudissez, on vous donne le pain et la sardine. Vous vendez votre avenir pendant sept ans pour un pain et une sardine. Et quand vous êtes malade, c'est à nous, vos, vos, vos mougous, que vous venez demander l'aide. Vous nous demandez l'aide. Ouais, papa, pardon, aide-nous, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Hein, j'ai si, j'ai tel problème de machin. Vraiment, on doit m'opérer. De... Vous voyez comment les gens nous prennent pour des mbouks. Vous voyez. Et pas une fois. Vous avez vu la vidéo, je vous avais montré une vidéo ici, là, d'une femme... Je ne sais pas, c'était au sud. Elle partait à coucher. Elle avait l'habit du RDPC. La route était tellement mauvaise. Elle était sur la moto qu'elle a accouché sur la route, dans la boue. Le bébé est né dans la boue, sur le panne du RDPC. Et vous me demandez d'avoir pitié des gens-là. Pourquoi est-ce que j'aurais pitié d'eux J'ai décidé que moi, je ne vous aide plus. Je n'aide que les gens qui s'aident eux-mêmes. Je n'aide que ceux qui s'aident eux-mêmes. Parce que vous, si vous n'avez pas pitié de votre corps, pourquoi est-ce que moi, je vais avoir pitié de vous Vous applaudissez le RDPC et quand vous avez les problèmes, c'est à moi que vous venez demander de l'aide. Pourquoi est-ce que je, de, je dois vous aider, dites-moi hum? euh, euh, Le pasteur de Tinga vous dit que Paul Bias est un bon président, vous applaudissez. Et a, après, quand vous êtes bloqué à l'hôpital, vous venez demander l'aide à Zhuy Manto, vous demandez l'aide aux gens, vous demandez l'aide à Max, vous demandez l'aide à Calibri, vous demandez l'aide. L'aide de quoi Ne m'écrivez plus pour me demander les aides. D'ailleurs, vous voyez que je ne réponds même pas. Parce que c'est quand même... Je prends ça comme des insultes. Hein? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne fait pas ça. Aimez-vous d'abord. Même pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, là. Aime-toi. C'est ce qui est écrit dans votre Bible, non Aime-toi, euh, aime aime-toi, aime-toi. Aime ton prochain comme toi-même, donc aime-toi. Hum? Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas aussi écrit là-bas. À quel moment est-ce que tu t'aides Quand tu applaudis le RDPC qui détruit ta, ta vie. Tu t'aides comment Dites-nous aussi l'affaire. C'est pathétique moi, je suis logique et je suis cohérent. Si quelqu'un soutient le RDPC, il devient mon adversaire. Il devient même mon ennemi. Parce que l'ennemi de euh, euh, comment dire, il devient mon ennemi. Oui. C'est comme ça. Quand quelqu'un soutient le RDPC qui est mon ennemi, il devient mon ennemi. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est une règle de base mathématique. Les mathématiques sont universelles. Quand vous voyez, on envoie la fusée sur la lune là, c'est une mathématique. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. C'est comme ça. Donc, si le pasteur de Tinga est l'ami de Popol, étant donné que Popol est mon ennemi, lui aussi, il est mon ennemi sont les règles de la vie. Il n'y a pas... Si tu vais à cette règle basique de la vie, ça veut dire que tu n'as rien compris et tu ne peux rien faire. Parce que l'ami de ton ennemi ne saurait être ton ami. Si tu fais moins fois plus, tu ne pourras jamais avoir plus. Tu ne pourras jamais avoir plus. Moins fois plus est égal à moins. Plus fois moins est égal à moins. C'est le négatif. Par contre, moins fois moins est égal à plus, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Plus fois plus est égal à plus, l'ami de mon ami, c'est mon ami. C'est une règle basique de la vie. C'est comme ça. Et on ne peut faire autrement. Donc tu ne peux pas applaudir Samuel Eto sans applaudir Paul Biya. C'est faux. Je le dis encore. C'est faux. Samuel Eto n'apportait pas son soutien à Paul Bia. Il devait avoir le soutien des, milliers de, des millions de Camerounais, pas des, des petits individus qui sont juste là sur les réseaux sociaux et les autres fumeurs de Mbanganon. Il devait avoir le soutien des millions de Camerounais s'il ne soutenait pas Bia. Mmh. C'est comme ça. Mais comme il soutient bien, les gars, vous voyez non Insistez toujours avec les cœurs. Vous allez voir que les choses vont changer. Insistez, mettez les cœurs jusqu'à ce que vous attrapiez le panari. Vous allez voir vous-même devant vos yeux comment l'audience là va changer. On ne va pas se laisser restreindre sans rien faire. C'est devant vos yeux que c'est en train de se passer. Et c'est bien comme vous voyez comme ça. Sur TikTok, c'est pareil. Hein. Faites, 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 mais bombardez seulement. On ne déroge pas à ces règles basiques de la vie, des règles de mathématiques. Les mathématiques c'est universel. C'est avec les mathématiques qu'on fait tout, même le TikTok, si on est en train de parler. Je parle à Chang, vous écoutez de l'autre côté du monde là. C'est grâce aux mathématiques. Et la première règle de base des mathématiques, c'est ce que je viens de vous dire là. Plus fois moins, moins fois plus, plus fois plus, moins fois moins. C'est la règle. Et c'est dans la vie, quand tu appliques cette règle, tu te trompes difficilement. Tu ne te trompes même jamais. Moi, j'applique cette règle. Si tu es l'ennemi de mon ami, mais mon frère, tu es mon ennemi, parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas être en train de rire avec mon ami, ensuite aller rire avec son ennemi. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Sinon, mon ami, là, n'est pas mon ami. C'est que je fais de l'hypocrisie. C'est que je fais de l'hypocrisie. Donc apprenez souvent lorsque vous voulez, dans la vie, si lorsque vous voulez avancer, Vraiment, soyez, euh, soyez logique et ferme dans vos convictions. Le combat-ci dans lequel nous sommes là, il n'y a que deux issues. Soit on réussit, soit on meurt. C'est les deux issues. Ce n'est pas le jeu. Et nous sommes à une période où le régime Bia veut absolument se renouveler. Vous avez vu Popol, il est parti en Chine avec qui Avec ses fils. Il est parti en Chine avec ses deux fils. Eh oui, pour négocier les affaires du Cameroun. Donc en fait, il est parti en France avec ses fils. Il est parti en Chine avec ses fils. Il est parti en Russie avec ses fils. En fait, il parle présenter, présenter Franck, surtout Franck, Franck, il parle présenter Franck comme étant celui qui va le remplacer. Et Franck, Franck et Eto, c'est comme ça. Franck et Eto, c'est ami, ami. Il est parti présenter celui qui va le remplacer et celui qui va continuer de négocier quand lui-même ne sera pas là. C'est-à-dire celui qui va garantir les avoirs des Chinois au Cameroun, c'est Franck Bia. Et c'est politique. Comme pour dire aux Chinois que vous ne pouvez soutenir que celui-ci. Parce que si vous soutenez une autre personne, la personne va rompre tous les contrats que je suis en train de signer. Et pour que ça fonctionne, il va signer des contrats très lucratifs pour les Chinois, pas pour les Camerounais, pour le Chinois. Et comme ça, le Chinois sera prêt à tout pour défendre ses avoirs au Cameroun. Et du coup, le Chinois va même donner de l'argent pour la campagne de Franck Bia. Vous avez vu les parti en France jusqu'à ce qu'il a même déjà pris Sarkozy, il a pris une équipe de campagne française. C'est-à-dire que lui-même, Paul Bia vous dit que les Camerounais sont idiots. Il vous dit, donc pour faire battre cette campagne en 2025, il est parti prendre les Français. Et comme président de campagne, il a pris Nicolas Sarkozy, ancien président français. Les gens vont venir sur les réseaux sociaux vous dire que Paul Bia est un panafricain. Que Paul Bia est un grand panafricain. C'est-à-dire Paul Bia lui-même, il estime qu'au Cameroun, il n'y a personne qui est capable de battre campagne pour, son, pour lui et pour son fils en 2025. Donc, il est parti chercher Sarkozy. C'est Sarkozy et une, une dame-là qui va battre campagne. Et c est, c est la dame-là va battre campagne, Sarkozy va coordonner. Et Sarkozy va amener des investisseurs français au Cameroun. Donc Sarkozy, c'est désormais l'homme de main de BIA. Et ça a toujours été comme ça. Les conseillers de BIA, c'est les Français. Si ce n'est pas les Français, c'est les Israéliens. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. De tout le magistère de BIA, depuis 42 ans, il y a toujours eu un Français conseiller à côté de lui. Et vous pensez que le conseiller français là va conseiller BIA contre les intérêts de la France quand on vous parle, vous dites « Oh, Paul Biya, vraiment, il, est, il, veut, il veut entrer dans le BRICS. » BRICS, ça veut dire quoi En quoi ça concerne le bayam, la Bayam au Cameroun Que Paul Biya veut entrer dans le BRICS hein? Et quand on dénonce tout ça, vous voyez un petit farfelu qui a fini de courir derrière le ballon. Un petit farfelu a fini de courir derrière le ballon, il vient vous dire que Paul Biya est bien pour le Cameroun. Et nous, on va accepter ça. On va accepter ça, non <laughs> Moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas ça. Et vous, là, les là vous n'allez pas détruire nos pages. Moi, je vous dis, vous n'allez pas détruire nos pages. Vous êtes encore des bébés. Même si vous êtes des sardinats mutants. Mais vous êtes encore des enfants devant nous. Vous n'allez pas détruire nos pages. J'ai confiance. Mais c'est pas possible ça. On est où là On est où Quelqu'un se lève, il vient nous dire qu'un vieux père de 92 ans, c'est le meilleur champion au Cameroun, il n'y a pas d'eux. Hum? Et après, il envoie ses, 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 ses communicateurs venir s'attaquer aux joueurs de l'équipe nationale. Vous mettez les bâtons dans les roues à un coach et aux joueurs. Tout ça pour que les gars pètent. Les gars ne se sont pas entraînés depuis. Ils ne se sont pas entraînés depuis. Pourquoi Dans quel but La destruction, c'est tout. Myongat. Est-ce que c'est normal Ce n'est pas normal. Mais nous, on parle seulement comme on parle là. Et moi, je vous ai déjà dit que quoi qu'il arrive là-bas, d'ailleurs, je m'en fous. Si ça peut ouvrir les yeux des Camerounais, tant mieux. Si ça ne peut pas encore ouvrir les yeux, attendons. Que les lions gagnent. Que les gars perdent. À la fin. S'ils perdent, ce sera même encore bien. Parce que ça va sortir les étincelles partout. Les, les, les gourdins, les cailloux vont sortir. Mais comme moi, je veux quand même le bien de ces gars. Il faut que les gars gagnent pour avoir du, vraiment de la place dans leur club. Donc, les Anzo, Nana, les Ambo, Anguissa, surtout Baleba, rien qu'à cause de Carlos Baleba, vraiment, je veux que ce, cet enfant ait une carrière vraiment de grande. Parce qu'il y a une grande carrière qui se dessine devant. Et son premier obstacle, c'est le pasteur. Ouais! Au lieu, mais si Baléba se blessait sur le stade là, on allait accuser le nièce. Parce que Loniès a dit non, on n'allait pas jouer là-bas, jouer à Yaoundé, Yaoundé est bien. On a l'accusé que non, Loniès n'a pas arrangé la pelouse. Mais Loniès vous a dit d'abord qu'ils n'ont pas arrangé la pelouse. Pourquoi vous avez insisté pour qu'on joue malgré l'état de la pelouse Et Les gars font la psychologie, MVC, ils disent que ah, regardez la pelouse là comment c'est. Regardez, Loniès vous a dit que la pelouse n'est pas bonne. Est-ce que Loniès vous a caché que la pelouse n'était pas bonne Est-ce que l'ONIES vous a caché que la pelouse n'était pas bonne L'ONIES vous a bien dit que la pelouse de Garoua n'était pas prête à accueillir cette rencontre. Et vous avez quand même insisté, malgré l'état de la pelouse, vous avez insisté que les gars partent jouer dans ces conditions-là. Et aujourd'hui, c'est encore vous les premiers à venir dire, ah, regardez la pelouse là, ah, regardez comment la pelouse là est. C'est la méchanceté. C'est méchant. Parce que les gars ont été épuisés. Parce que même cette période-là, le soleil qui a à Garoua, c'est la magie. Les gars étaient épuisés. Et la pelouse était tellement mauvaise. Vous avez vu comment les gars étaient épuisés. Et après, vous finissez, vous amenez les gars par Takampa là. Vous faites tout pour que les gars ne s'entraînent pas. Vous faites tout pour que les gars ne s'entraînent pas. Vous négociez les entraînements des Lyons sur un stade où il y avait un match déjà prévu. C'est le seul stade qu'il y avait à Kampala. Donc si vous avez négocié le match des Lyons à Kampala, ben, ce n'est pas la, le, le pays du Zimbabwe. Le Zimbabwe ne pouvait pas accueillir à domicile. Si vous, avez négocié, si vous avez négocié que ça va se jouer en Ouganda. Enfin, qui, 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 qui ne fait qu'insister pour m'appeler là C'est comment Est-ce qu'on se lève un matin, on appelle les gens comme ça Envoyer des messages, vous savez si on est disponible ou pas. Qu'est-ce qu'il y a Insister. Comment Mais les Africains, quand même, vous êtes terribles. Tu appelles quelqu'un une fois, il renvoie. Tu appelles deux fois, il renvoie. Tu insistes encore. Oh! Quand je vais couper là, il va bloquer dans le numéro là. Mmh. On ne fait que me couper. On ne fait que me couper. On ne veut pas. En fait, ils font ça. On ne veut pas que je continue le live aussi. On ne veut pas que je continue ce live. Donc je vais devoir couper le live. C'est pas vrai. De toutes les façons, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, euh, pour ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur TikTok. Ok? Sur si ce, passez une bonne journée, c'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.